Bonjour Marie-Rose, nous sommes les enfants du Père Perlin Pimpin. C'est une jolie chose de vous rencontrer, quel destin sur mon chemin. Quel est votre nom? Oh, moi, c'est Lily. Et toi? C'est Loulou. Et lui? C'est Lulu. Et moi, c'est Jeannot. On chante un petit lapin et on y va. Allez. Tu m'as mis super fort, c'est pas grave. Ah ouais, je t'avais mis super fort, c'est pas grave. Elle était belle, grande déconne, c'était un vrai cas d'école. Elle était chienne, vaine et bonne, c'était une blonde qu'on étonne. Elle était vide, elle était fine, c'était un beat qu'on déforme. Elle est coquine, elle est maligne, c'est celle qu'on pine pour la forme. Elle était fausse, elle était classe, celle qui ronfle quand elle dorme. Elle était chaude, elle était garce, elle était clean sur la forme. Elle est perfide, elle est stupide à consommer sous alcool. Elle est timide, elle est candide quand elle fait style qu'on la colle. Elle était snob, jeune et riche, avec une frange pour idole. Elle était slim, elle était bitch, c'était une fille qu'on isole. Elle était chiante, elle était prise, elle s'étonne quand on l'aborde. Elle était morne, elle était grise, c'est celle qui flippe quand on la morde. Elle était peinte, elle était molle, elle avait des jolis dessous. Elle était crainte, elle était folle, elle aime quand on en met partout. Elle était saine, elle était brave, elle voulait un petit toutou. Elle était sale, elle était suave, elle rêvait d'être Audrey Tautou. Ce matin, un lapin a tué le chasseur. C'était un petit lapin qui a tué le chasseur. Ce matin, elle était lourde comme une pintade avec des lunettes à la con. Elle accrochait le quintal à de très grandes proportions. Elle avait les mâchoires coincées comme si elle musclait ses joues au ten. Comme si elle en jouait, que ça fait un an qu'elle a pas joui. Elle était colasse comme pas deux, une vraie panthère dans le paddock. Des mecs, elle en avait 22, ils étaient tous très très mastoc. Elle était cool mais elle puait, une baba qui traçait les routes. Elle est venue me voir à Paname et ses doigts de pied puaient la croûte. Elle était laide et sans boulot, avec du poil sous les bras. Encore plus super crado qu'une crotte de lait sur un goulot. Elle était bonne comme un légume, intelligente comme un navet, et elle se mettait à baver pour résoudre le moindre calcul. Elle est vraiment trop ridicule quand elle se pavane à Montparnasse avec son jean taille basse, string ficelle collée au cul. Elle est vraiment trop vénale avec ses airs de Sainte-Marie, mais à l'approche de la thune, elle agite ses narines. Qu'a tué le chasseur? Yeah!